Tony Inquiès nous a rejoint, chers amis, sur ce plateau pour nous aider à entrer justement dans l'économie, tel que je le disais tout à l'heure, des titres parus à la une des quotidiens ce matin. Laurent, bonjour. Amédéric, bonjour. Bienvenue. Merci. Sans, on va dire, les verres ce matin. Oui, sans les verres ce matin. C'est vrai que j'aurais dû les mettre encore parce que ça, c'est pas totalement parti, mais bon. Mais ça va. Ça va. On gère. Ouais, on gère comme ça. Alors, les quotidiens sont parus ce matin. Beaucoup de titres, on va dire, à la une des quotidiens, beaucoup de sujets abordés. Au rôle desquels le système partisan qui serait en train de faire, on va dire, les frais de la Covid, en tout cas, qui aura chopé la Covid. C'est le quotidien béninois libéré qui en parle ce matin. Oui, bien évidemment. Quand vous regardez les ambitions du chef de l'État quand il parlait de la réforme du système partisan, qui lui cru que malgré tout ce qui a été dit, on constate aujourd'hui tout ce qu'on constate, hein, de toute façon, du point de vue politique, je dirais, en griffe, les mercato politiques qu'on voit où l'autre, les gens quittent l'autre parti pour aller vers l'autre parti. La transhumance politique qui n'a pas cessé, parce que pour moi c'est de la transhumance politique, et quand, même si les acteurs même veulent donner un autre nom à ce phénomène, c'est de la transhumance. Et donc c'est pourquoi j'essaie de donner un peu de la valeur en parlant de mercato politique. Et donc je crois que le système partisan a eu ces problèmes-là. Et au-delà de ces problèmes, il y a aussi les problèmes de discipline au sein des partis politiques, au sein les questions de militantisme à proprement parler au sein des partis politiques. Donc je crois que cette loi, en tout cas sur la réforme du système partisan, il va falloir peut-être, si possible, retourner à l'Assemblée nationale, revoir, repenser cette loi et dire mais quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre en place, les garde-fous pour empêcher un tant soit peu la transition politique. C'est vrai qu'avant qu'on ne vote cette loi, il avait été dit que ceux qui sont élus d'un parti politique, qui tenteraient de démissionner de ce parti politique, devraient perdre réglementairement leur poste, soit à l'Assemblée nationale, au niveau des 5 conseils communaux. C'est vrai que ça n'a pas été mis en application. En fait, c'est dans la loi, ce n'est pas voté. Donc, je crois qu'il faut aller même au-delà de ça, à cet extrême-là, pour montrer que quand vous êtes élu pour un parti, puisque vous avez vu, je prends le cas d'Aboumé Kavi, c'est le plus proche pour moi, malheureusement, que je cite souvent. Nous sommes d'ailleurs à Aboumé Kavi. On a vu des élus tout récemment d'un parti politique qui ont décidé de démissionner pour rejoindre un autre parti politique. Donc, alors, quand vous avez porté la bannière, vous êtes allé aux élections sous la bannière de ce parti politique, au-delà de tout, même si vous avez une certaine popularité, à un moment donné, la bannière du parti aussi vous accompagne. Il y a des leaders de ce parti-là qui ont peut-être des parents dans cette localité, et ces parents ont dû vous supporter, vous ont fait confiance, parce qu'ils se retrouvent à travers... En tout cas, leurs parents, ils se retrouvent à travers vous. Et donc, voilà. Et donc, quand ceux-là votent pour vous et que finalement, un jour, vous décidez personnellement de quitter le parti politique, alors je pense qu'il faut alors, en partant, laisser alors tout le privilège que le parti vous a donné, vous devez pouvoir l'abandonner. Et donc, quand on va commencer par faire de telles, en tout cas, exiger de telles situations aux acteurs politiques, notamment ceux qui sont élus, je crois qu'on aura un temps soit peu une certaine discipline au sein des partis politiques. Ceux qui peut-être n'ont pas la chance d'occuper des postes de responsabilité ou qui n'ont pas été élus sous la bannière du parti, on peut comprendre, c'est-à-dire que pour autant, ils ne doivent rien aux partis politiques. Mais pour moi, ceux qui sont élus sous la bannière du parti politique... Quand on quitte un parti politique, pour vous, en réalité, il faut aussi abandonner... Oui, justement. Si vous pensez que le parti est mal géré et que vous devez partir, alors laissez les attributs du parti, laissez tous les privilèges. Revenons rapidement sur la une donc, du Béninois libéré ce matin, la réalisation qui va nous y aider, évidemment, donc qui titre... création du parti de Théophile Yarou, puisque c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Le système partisan chope la Covid. Talon rêve de grands partis, les politiciens reviennent
à la case départ. Oui. Pour parler en fait de la création. Oui, justement. J'abordais, j'en venais parce que dans un premier temps, on a vu le premier phénomène. Oui. Et le second phénomène, on a vu des gens qui sont dans les partis politiques juste parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la discipline de groupe. Et pour des intérêts personnels inavoués, qui décident de créer des partis politiques. C'est un jeu d'intérêt. Oui. Mais dans une certaine mesure, ce que Patrice Talon voulait, c'est qu'on ait des ensembles forts. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des ensembles forts? On n'en a pas. Peu on ou a pour. Vu des gens. On peu a ou gens. Peu ou pour. On a vu. Il y a le BR, Il y a des ensembles forts, griffes qui couvrent des crises internes parce que. Il n'y en a pas beaucoup. Justement. Donc, pour vous dire quoi? Ces acteurs politiques, que ce soit ceux qui sont dans les partis politiques, qui sont élus, qui ont démissionné, ou ceux qui sont dans les partis politiques rien que pour des intérêts personnels, parce qu'ils estiment qu'ils ont été marginalisés peu ou prou dans telle ou telle situation, il va falloir repenser le débat. Faire en sorte que ceux-là, quand vous rentrez dans un parti politique, que vous soyez militant, convaincu, en tout cas quand vous êtes militant, que vous soyez en mesure de respecter les idéaux du parti, de rester dans le parti pendant une durée donnée. C'est vrai qu'on me dira que non, ils sont libres de parti. Mais tel qu'on voit la situation, on en viendra où des citoyens se lèveront chaque jour pour créer des partis. À partir du moment où, on va dire, les critères donc, sont respectés, on ne peut pas empêcher un citoyen de vouloir justement créer son parti politique. Les critères sont respectés. Pour avoir 15 membres par commune, ce n'est pas pour autant compliqué. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? C'est vous qui le dites. Non, mais ce n'est pas pour autant compliqué. En tout cas, pour avoir été avec certains acteurs politiques, ce n'est pas pour autant compliqué. L'essentiel, c'est d'avoir des gens qui ont un certain charisme et un certain leadership. Sinon, qu'en réalité, si c'est aller rassembler 15 personnes, on peut rentrer dans la construction rapidement, rassembler 15 personnes pour la commune. Ça demande quand même un petit travail. Oui, justement, de toute façon. Pour vous dire quoi, c'est que ceux qui se lèvent pour créer des partis. Et d'abord, ce qui fait que certains aujourd'hui se veulent créer des partis, c'est parce qu'à un moment donné, on favorise une certaine chose ici, évidemment. On a vu à la veille des élections présidentielles deux candidats qui étaient d'un parti politique, qui se sont levés pour dire que. En tout cas, vous voulez parler des démocrates? Non, pas des démocrates, justement. D'accord. Je veux parler bien du RLC. Okay. Des gens qui ont démissionné, qui ont posé des actes, qui ont été censurés dans un parti politique, qui sont allés aux élections sans pouvoir avoir un parti formel, fondamentalement, et qui après reviennent pour nous dire que maintenant ils veulent mettre leur parti sur la fondation. Non, mais RLC qui, au départ, justement, faisait partie. Il y a démocrate, bien évidemment. Donc, démocrate. Quand on favorise un certain nombre de choses et qu'on accepte un certain nombre de choses, c'est qu'on ne peut pas le refuser à d'autres personnes. Donc, au-delà de tout, il faut aussi que au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau des dirigeants que nous avons, que nous puissions mettre des garde-fous pour empêcher les gens de se donner à la pagaille. Parce que cette pagaille qu'on a vue pendant l'élection présidentielle fait que certains, aujourd'hui, peuvent se lever pour dire qu'ils veulent créer un parti politique et on ne pourra pas leur refuser. Le système partisan chope donc la Covid, hein, c'est un titre à lire à la une du quotidien Le Béninois Libéré ce matin. On en parlait à l'instant avec Laurent Roland, Tonin Inquès. Bénin Intelligent est également sorti ce matin, pareil pour Fraternité. Ils ont titré par rapport justement à, on va dire, ce pavé, c'est ça, jeté dans la mare par le président de l'Assemblée nationale, Olivier Lavonou. Par rapport justement à la loi sur l'avortement. Je suis très content de voir qu'une autorité, en tout cas la deuxième personnalité, bon c'est vrai qu'on nous parlera de vice-présidente, mais réglementairement la deuxième personnalité la plus influente de notre pays, le président de l'Assemblée nationale, ose jeter un pavé dans la mare. Ouais. Cette question d'avortement, il faut qu'on se dise la vérité en face. Il y a un jour, l'avortement est la mort d'un tout petit. Il va plus loin en donnant donc des citations. La législation sur l'avortement est un axe du complot de l'Occident. L'avortement est une idéologie qui ne rejoint pas notre culture. Oui, mais d'abord, il faut regarder peut-être le côté religieux, en tout cas, du président de l'Assemblée qui est un chrétien. On a vu cette sortie du point de vue religieux. On constate que c'est un chrétien et donc qui exprime la position d'un chrétien tel qu'il est. Et donc, maintenant, quand on en vient aussi dans le vécu, dans la vie humaine, je me demande pourquoi légaliser l'avortement. Légaliser l'avortement revient à autoriser les vices, n'importe comment. Parce que si on sait qu'on peut aller avorter, c'est qu'on peut se permettre tout. Moi, j'estime qu'au-delà de tout, si on doit avorter, au lieu de légaliser l'avortement, autant mieux légaliser la planification familiale. Quand je parle de planification familiale... Mais ça, c'est un fait.
Oui, non, c'est mais... un fait. La planification familiale est à la disposition de tous. Non, mais pas, 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 non, 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 non. Dans certaines... qu'on en manifeste, on va dire, non, justement, la quand, quand... et qu'on s'en donne les moyens. Non, justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le commun de certains bilantois, dans certaines cultures, oui. la planification n'est pas acceptée. Là, il s'agit donc de considérations, on va dire, religieuses. De toute façon, moi, je préfère qu'on fasse la promotion de la planification familiale, okay. plutôt que de parler d'avortement. Parce que oui, la promotion de la planification familiale réduit les grossesses non désirées. Oui, mais ne vaut-il pas mieux justement légaliser en la matière pour pouvoir contrôler plutôt que de laisser donc les dérapages continuer à se perpétrer? Légaliser quoi, l'avortement? Ben oui, c'est une interrogation. Non, non, moi je pense qu'on pourquoi faire semblant, pourquoi faire semblant d'ignorer un fait qui existe, qui est réel? Le fait qui existe selon vous, c'est quoi? Moi, je pense que... L'avortement est un fait réel. Oui, oui, mais dans on ne peut pas continuer à entourer... Pourquoi ne pas chercher justement à l'encadrer plutôt que de faire semblant, comme vous le proposez là, non. ou comme d'autres le proposent? Est-ce que vous savez, je suis d'accord avec vous ce que vous dites, mais le problème, c'est que quand on en vient à légaliser l'avortement, c'est que ça veut dire que n'importe qui peut se lever pour dire « je veux avorter » parce qu'en réalité, je ne me suis pas en position de pouvoir peut-être garder la grossesse, je ne pense pas avoir les moyens pour supporter un enfant plus tard, il faut avorter. Donc, et c'est pourquoi je dis, pour éviter d'en arriver là, oui. autant mieux faire la promotion de la planification familiale, permettre à ce que toutes les femmes, en tout cas, soient libres d'aller choisir une méthode contraceptive oui. pour éviter de tomber enceinte, pour qu'on en arrive à légaliser un avortement. Parce que l'avortement, le jour où il y a conception, il y a déjà une vie qui a commencé. Mm-hmm. Et donc, quand vous faites l'avortement, vous suspendez, en tout cas, vous mettez fin à une vie. Mm. L'enfant qui va naître, autant mieux empêcher que le fœtus se développe pour en arriver à un avortement, plutôt que de dire, bon, évidemment, oui, la loi est là, on peut aller avorter. Pour moi, c'est des... Quand vous rentrez dans le domaine spirituel, les gens vous diront assez que l'avortement oui, crée tellement de dommages. Évidemment, quand on entre dans ces considérations, on voit les choses d'une autre manière. Mais toujours est-il qu'en parlant d'interruption volontaire de grossesse, IVG, donc, il y a des circonstances quand même dans lesquelles on ne peut pas faire sans. La science le dit. La science le dit, mais en tout cas, c'est donc, mon avis. Donc, à mon sens, légiférer en la matière reviendra justement à recadrer tout ça, à repréciser toutes ces situations, toutes ces circonstances, toutes ces concours de circonstances. De ma position, ce n'est pas une loi à voter sous nos yeux. Nous y reviendrons en tout cas avec des experts, pourquoi pas, sur ce plateau. Les experts viendront oui. vous dire que c'est bon d'avorter oui. parce qu'il y a des projets qui financent ces trucs-là. Mm. Ça leur permet d'avoir de l'argent, ça leur permet d'avoir suffisamment de l'argent. Ils viendront vous dire ça. Savez, du point de vue spirituel, ce n'est pas une bonne chose évidemment, à promouvoir. Évidemment. Autre fait d'actualité, chers amis, réalisation des ODD, l'événement du jour, on en a parlé ce matin, Laurent. Oui, bien évidemment, parlant des filles, bien évidemment, la ministre des Affaires sociales qui demande au respect des droits des filles, je crois que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de loi contre la violence faite aux femmes, quand on parle de loi contre le harcèlement sexuel, quand on parle de loi pour protéger la femme, c'est maintenant qu'il faut commencer à partir du respect des filles. Mmh. Parce que si nous avons eu des femmes de notre génération ou bien nos mères qui n'ont pas eu des droits pourtant respectés, c'est parce que dans notre tradition, on a pensé que la femme n'avait pas droit à la parole dans la société. Mmh. Donc, à partir du moment où on commence à respecter les droits de la fille ou des filles, c'est qu'on éduque les hommes à accepter que les filles qui deviendront femmes demain ont des droits qu'il faut respecter. Mmh. Et donc, je crois que c'est une bonne initiative. Et quand on suit son message, je vois l'engagement du gouvernement, la volonté du gouvernement pour que les droits des filles soient respectés. Il faut travailler à cela parce que, je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, vous avez des hommes aujourd'hui qui sont prêts à investir beaucoup d'argent pour leurs filles, mais qui ne veulent pas encore reconnaître la valeur de la femme dans la société, qui ne veulent pas encore promouvoir la femme et qui continuent à chosifier la femme. C'est à partir du respect des femmes d'aujourd'hui, de la promotion des femmes d'aujourd'hui et du respect des droits des filles aujourd'hui, en acceptant que les filles soient respectées dans la société aujourd'hui, que leurs filles sur lesquelles ils investissent toute une fortune pour l'éducation, que ces filles seront respectées demain par d'autres hommes de leur génération. Mais si tu es homme aujourd'hui, en tout cas nos dirigeants ou nos responsables aujourd'hui n'ont pas la possibilité, ne font pas tout pour que les femmes et les filles soient respectées dans la société, demain le jeune d'aujourd'hui n'aura pas
en tout cas d'éléments probants pour pouvoir respecter la femme de demain. Donc, c'est autant de choses qu'il faut, sur lesquelles il faut travailler. Il faut que les gens comprennent que les filles ont des droits. Il faut qu'on éduque nos garçons, nos enfants, nos jeunes frères, que les filles, nos jeunes sœurs, nos filles ont des droits et qu'il faut faire l'effort de les respecter. Respecter donc les droits des filles, hein, c'est entre autres justement l'objectif de cette célébration. J'en parlais à l'entame de l'émission. La Journée internationale des droits des filles célébrée depuis l'an 2012. On va finir par un autre fait d'actualité, moins gai. Celui-là, quand même, fraternité, on en a parlé, les écureuils tombent de haut. Le Béninois libéré est d'ailleurs allé un peu plus loin. Si on peut revoir la une justement du Béninois libéré qui accuse directement du sujet d'avoir tué le Bénin et ayant permis à un certain, on va dire, mécène de reprendre sa mise. Oui. Non, non, moi je crois que les gens ne seront pas d'accord avec moi. Et tout. J'ai exprimé ma position sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Je dis une chose. Moi, cette défaite du Bénin à domicile fait du bien. Moi, j'applaudis ça parce que ça nous permet maintenant de nous remettre en cause. Oui. Parce qu'une victoire du Bénin nous ferait croire que nous avons une bonne équipe et que nous avons tout à notre portée et qu'on peut aller. Alors qu'en réalité, avec l'équipe que nous avons, si nous allons à la Coupe du Monde, on serait distributeur automatique de points. Disons la vérité, il faut qu'on se regarde en face, qu'on se dise la vérité. Mmh. Une équipe, cette équipe-là est à repenser. Et pour moi, je le dis toujours, je le dirai, ils ne seront pas d'accord avec moi, là, les éléments, en tout cas les acteurs du football, certains qui vivent dans ce système-là, ne seront pas d'accord avec moi-même. J'estime que c'est une équipe à dissoudre tout simplement. Dissoudre, hein? Oui, pour moi, repenser le football béninois. D'aucuns vous diront que c'est parce que Jodel Dessous est parti, on l'a censuré. Oui, mais on a vu Jodel Dessous, face au Nigeria à domicile. Mm-hmm. Qui a fait 80 minutes de jeu? Qui est sorti à la 80e minute de jeu? Est-ce qu'il a pu marquer? On a vu à la 93e minute de jeu le Nigeria qui a marqué. Mm-hmm. Donc, pour vous dire quoi? Ce n'est pas le fait d'un joueur. Évidemment. Ceux qui veulent penser que c'est parce qu'un joueur a été sanctionné. Non. Le problème du. On a un entraîneur qui a toujours voulu des matchs nuls. C'est-à-dire, quand vous regardez son système. C'est vrai, quand même, quand on aligne 5 défenseurs à la maison. Vous voyez maintenant. Après avoir battu l'équipe. Une équipe qui n'a pas été capable. Une équipe qui a été capable de se faire, et, en tout cas. De participer, en tout cas d'être qualifié pour aller pour la CAN. N'a pas sa place. Cette équipe qui a vu tout ce qui s'est passé avec la Sierra Leone et finalement qui a rendu beaucoup de Béninois malades, on a vu des acteurs du monde sportif venir pratiquement couler l'âme sur ce plateau ici. Ce plateau, et donc, c'est la même équipe-là qu'on veut voir participer à la Coupe du Monde. Il s'agit de patriotisme, même si, à un moment donné, vous leur tenez une caisse, vous ne pensez pas si bien dire. Ahmed Arikba. Je l'ai déjà dit sur ce plateau plusieurs fois, je suis du même avis que vous en réalité. Ahmed Arikba, à un moment donné, laissons le patriotisme de côté, regardons la vérité en face. Avec cette équipe que nous avons, si on devrait avoir une victoire hier, plus applaudi pour dire on ira à la Coupe du Monde, pour aller distribuer gratuitement des points. On va dire. Repenser les acteurs, le gouvernement, la FBF ont l'obligation de travailler au niveau du championnat national, de constituer l'équipe à partir des cadres, des juniors, pour pouvoir avoir une équipe forte. Ce que nous avons aujourd'hui, nous avons des gens qui sont déjà fatigués, 29 ans, 30 ans pratiquement, et c'est ceux-là, on se contente du peu. Et chaque fois, on se contente du peu, on applaudit pour dire c'est bon. Quand ils ont gagné en Tanzanie. Autant mieux faire avec le peu que. Non, du tout. Quand ils ont gagné en Tanzanie, vous avez vu la réaction des Béninois? Quand ils ont perdu, vous avez vu la réaction? Mais oui. Non, regardons-nous la face. Il faut qu'on se. De toute façon, je suis totalement d'accord avec votre analyse. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau. Je pense que l'équipe béninoise, évidemment, de football est à repenser. Et que, justement, ce succès-là, on ne va pas s'en réjouir. Enfin, cette défaite enregistrée dans le courant du week-end, on ne va pas. Sans féliciter. Le Bénin a été qualifié pour les quarts de finale de la CAN. Oui. Quels ont été les matchs qu'ils ont concrètement gagnés pour se retrouver au quart de finale? Donc, autant d'éléments. On se contente depuis des années des matchs nuls. On fait de l'à peu près et on arrive Par chance, on se retrouve à une position. On pense qu'on est fort. On n'est pas fort. Il est peut-être temps véritablement de revoir les choses, même si évidemment une qualification ferait du bien quand même au Bénin, au-delà de tout, même si on n'a pas une belle équipe, même si on va distribuer des points, c'est pas grave. Autant participer pour la première.
première fois à une Coupe du Monde. Vous voulez pas faire des prières de Coubertin? Il participe. L'essentiel, c'est de participer. Ben oui, mais on ne peut pas participer pour être distributeur automatique de points quand même. Évitons ça. Il faut commencer quelque part. C'est une... Mais si vous parlez de patriotisme, oui. C'est quelque part aussi l'image du pays. Bien si sûr. On doit avoir une équipe qui doit aller distribuer des points à la Coupe du Monde, bien autant sûr. Mieux les laisser rester chez eux qu'on repense l'équipe nationale. Je suis d'accord qu'il faut repenser, mais je pense aussi qu'y aller participer et partager et distribuer des points, c'est pas si mal que ça. En définitive, ça permettra aussi peut-être. C'est l'argent du contribuable béninois. N'oubliez pas ça. De se rendre compte des défaillances et de travailler là-dessus. Mais on connaît les défaillances aujourd'hui. Merci. Autant mieux aller gaspiller les fonds du contribuable à la Coupe du Monde. Merci Laurent, Roland, Antonin. Qu'est-ce qu'on retrouve demain peut-être sur ce plateau pour d'autres analyses ou peut-être le mercredi. En attendant, on va poursuivre Matin d'Éden de ce jour, chers amis. We'll be right back.